petite révision des quintes et des accords majeurs, accords fondamentaux, gamme de Do majeur, tonique Do, quinte Sol, médiante Mi, et j'ai mon accord de Do majeur. Je passe à la gamme de Do dièse. Tonique Do dièse, dominante Sol dièse, médiante Fa, je passe en gamme de Ré majeur, tonique Ré, dominante La, médiante Fa dièse. Je passe en Ré majeur, qui peut être également le Mi bémol majeur. Tonique Ré dièse ou Mi bémol, dominante La dièse ou Si bémol, et médiante Sol. Je continue de monter. Je suis maintenant en gamme de Mi majeur. Tonique Mi, dominante Si, médiante Sol majeur. Je continue de monter. J'arrive dans la gamme de Fa majeur. Tonique Fa, dominante Do, médiante La. Et j'ai l'accord parfait de Fa majeur. Je continue de monter. Fa dièse, Do dièse. Ça pourrait être aussi un Sol bémol, mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. On va dire Fa dièse, Do dièse. Je rajoute la médiante, qui est un La dièse. Et j'ai mon accord de Fa dièse majeur. Je continue de monter. Me voici dans la gamme de Sol majeur. Tonique Sol, dominante Ré, médiante Si. Je continue de monter en Sol dièse et Ré, alors donc tonique Sol dièse, dominante Ré dièse. Ça peut être également la gamme de La bémol et donc ce sera un Mi bémol. La médiante sera un Do. Je passe dans la gamme de La majeur, tonique La, dominante Mi, médiante Do dièse. Accord de La majeur. Je passe en La dièse ou en Si bémol. Je vais donc avoir ma tonique Si bémol et ma dominante Fa. Ah oui, il faut compter, hein. 7 demi-tons au total. Je rajoute ma médiante. Et j'ai mon accord de Si bémol ou de La dièse. Je continue de monter, j'arrive dans la gamme de Si. Et là, cette fois-ci, je vais avoir un Fa dièse. Toujours 7 demi-tons ou 3 tons et demi. Je rajoute la médiante qui va être le Ré dièse. Et enfin, je termine bien sûr par un Do.
Alors, si je refais tout. Et voilà, à chacun de travailler ceci. On peut bien sûr le travailler en rajoutant la tonique de chaque gamme. Ce qui m'a fait faire à la main gauche, ce qu'on appelle une gamme chromatique. Voilà de quoi s'amuser avec les quintes, les accords majeurs et la gamme chromatique.